Voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. C'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux.